désert d'Arabie. Un vaste océan de dunes mouvantes et de rochers brûlants. Sous ces étendues de sable, du pétrole. L'or noir, le sang de ce siècle mécanique. Depuis plus de 4 siècles, les Ottomans règnent sur ces terres, contrôlant tout ce qu'elles recèlent. Mais certains s'opposent aux Ottomans. De petites bandes de rebelles bédouins se sont unies pour renverser l'Empire. Ces hommes frappent par surprise, puis s'évanouissent dans le désert. À leur côté, un officier britannique dont les exploits lui ont valu un grand renom. Le monde entier le connaît comme Lawrence d'Arabie. Dans le désert, il faut prévoir avec soin, mais compter aussi sur la chance. Elle était à nos côtés lorsque nous avons appris qu'un train ottoman, qui avait récemment déraillé, transportait une cargaison très intéressante. Une petite patrouille avait rejoint les Ottomans qui avaient survécu au déraillement. Ensemble, ils gardaient l'épave en attendant des renforts. Combattant seul ne possède qu'un avantage sur un ennemi nombreux. Il peut se déplacer sans être vu. Les tribus combattaient de manière peu conventionnelle, avec des armes qu'elles connaissaient bien. Leurs principaux atouts étaient l'endurance, l'intelligence individuelle, et le courage. Ölü!
inquiétez, ne bosse pas. Sortez, c'est fini. Ah. Tu ne t'attendais pas à ce que nous soyons aussi rapides pour te rattraper, n'est-ce pas, Lawrence d'Arabie? Que vous le feriez. Hé, Lawrence. Tu manques pas de ressources. Le chasseur est devenu la proie, on dirait. Et toi, qui es-tu? Ah, mais tu es ravissante, ma petite. Ravissante? Ahmed. Une femme qui serait libre sans des hommes comme toi. Libre, hein? Tu seras libre quand tu mourras. Et laisse-moi te dire une chose, l'Empire a l'intention de vous offrir à tous cette liberté, très bientôt. En ce moment, une terrible machine de mort écume ce désert. Elle élimine vos alliés, vos familles, vos maisons et tous vos refuges. Bientôt, vous n'aurez nulle part où aller. Nulle part où vous cacher. Bientôt, tout votre monde, et tout ce que vous aimez, disparaîtra. Alors vous serez libre de mourir. Espèce de folle, Zara. Je sais bien que rien ne te rendrait plus heureuse que de lui arracher lentement la peau des pieds et de le laisser nu dans le désert, en courir une mort certaine. Mais avant, réfléchis. Je suis désolé. Mon ami est parfois un peu brutal. Tu vas m'expliquer comment envoyer de faux ordres. Nous allons attirer ton train dans un piège et le détruire. Impossible. Pour établir une liaison avec ce train, il te faudrait un livre dans tous les codes de communication. Oh, un livre dans ce genre-là, peut-être. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès des machines. Un jour, le reste du monde vous enlèvera vos terres et s'emparera du précieux or noir qui dort sous le sable. L'avenir nous le dira, mon ami.